vive la Blue Team. Dans ma dernière vidéo sur la TOT, souvenez-vous, j'avais dit ça. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas joué à FIFA Mobile 23, il y avait un énorme glitch de UTOT, les amis, des UTOT 114 minimum à l'infini. Bon, par l'infini, on était sûr à chaque fois d'avoir des 114. Du coup, les amis, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, bien un peu regarder son internet des actualités. Et vous savez quoi? J'en ai encore découvert un. En fait, à la base, c'était juste Touille, mon pote IRL qui met dans une vidéo, qui a envoyé une vidéo. Dedans, rien de spécial, mais ce qui m'a interpellé, c'est son nombre de joueurs. 4 joueurs pour un SBC de 3 TOT. Suite à ça, un abonné m'a donc expliqué que c'est un glitch qui marche toujours. Donc déjà, big up à Touille et cet abonné. Un joueur normal se serait dit, cool, j'ai un joueur bonus, mais pas moi. Grâce à ma technique, on peut avoir n'importe quel TOT et donc virer à 419. Mais avant, si tu es nouveau, moi c'est Bouboud, je découvre des glitchs, je fais des tutos et plein de concepts marrants sur le jeu. Donc abonne-toi si tu veux rien rater sur la TOT. Et sur ce, on peut commencer. Étape 1, à quoi consiste le bug? Donc les amis, on est actuellement sur FIFA Mobile et je vais tout simplement vous expliquer à quoi consiste le bug tout simplement. Tout d'abord les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement dès que l'abonné m'a un petit peu expliqué le bug on va dire, j'ai vraiment très envie de le tester pour voir si ça marchait tout simplement. Du coup pour faire cette vidéo, du coup je suis allé dans la boutique, je me suis acheté un joueur 414, j'avais 40 millions je crois, maintenant bah j'en ai perdu beaucoup les amis, mais franchement je pense que ça vaut la peine, même si bon moi ça va pas trop m'aider les jours que j'ai packé, mais vous allez voir que c'est vraiment ultra cheaté, genre vraiment. Dites-vous bien que techniquement avec ça, vous pouvez avoir tous les tots et tous les icônes tots que vous voulez. Mais bref les amis, ça c'est pas pour maintenant, on va tout simplement aller dans échange, on a un Mascherano, d'ailleurs je vous déconseille vraiment de le faire, ça vaut vraiment pas le coup, vraiment, c'est beaucoup trop cher. Après, il y a ses packs, mes amis, nous, ce qui nous intéresse, là où le glitch marche finalement, c'est celui-là, les amis, qui est pas celui-là ou celui-là, c'est vraiment celui-là. Regardez ça, les amis, 3 joueurs TOTS, 414-99. Du coup, bah, dedans, on peut avoir tout ce que je vous ai dit, hein, des TOTS, des icônes TOTS, tout ce que vous voulez. Et pour ça, les amis, il vous faut juste 4 joueurs 94-97 les amis, parce qu'un genre comme Avert ou lui, bref, tout ce que vous voulez seront parfaits. Du coup les amis, après avoir mis 4 simplement joueurs, bon, moi je vous mets l'extrait de quand je l'ai ouvert. On peut tout simplement ouvrir et dedans vous allez voir les amis tout simplement dans l'extrait. Bon, j'ai pas que Ricardo Carvalho les amis, le portugais. Bon ça c'est bien, mais on se fiche un peu. Mais les amis, regardez bien ça, il y a bel et bien 4 joueurs à la fin. Les amis, me diriez-vous, c'est bien un joueur en plus, mais quel est le rapport avec Vieira et le fait d'avoir tous les joueurs qu'on veut? Laisse-moi vous expliquer. Les amis, comme on peut le voir, la limite du pack est de 0 sur 1 tout simplement. Elle expire dans 13 heures, parce qu'on s'en fiche un peu, 24 heures on va dire. Donc tout simplement les amis, après avoir récupéré vos 4 joueurs, vous pouvez revenir le lendemain et remettre vos 4 joueurs pour refaire l'échange. Bon moi dans mon cas j'ai utilisé le défenseur portugais dans ma team. Mais c'est-à-dire que vous mettez vos 4 joueurs que vous avez packé la veille du coup. Et avec ça, vous pouvez recommencer. Et vous pouvez recommencer le lendemain encore jusqu'à avoir du coup les joueurs que vous voulez, c'est-à-dire je sais pas Vieira, tout ce que vous voulez les amis. Enfin c'est vraiment juste abusé. Enfin les amis, c'est presque un glitch à l'infini jusqu'à que vous packiez les joueurs que vous voulez en fait. C'est vraiment incroyable. Du coup les amis, je sais pas si vous en rendez compte, mais vraiment c'est vraiment le bon moment les amis, le glitch vraiment qui va vous donner bien envie, je sais pas, d'essayer de packer Vieira, Landreis, tous les amis. Franchement j'ai déjà eu des abonnés qui ont packé Vieira, des glitch qui voulaient les amis, franchement c'est possible. Bon les amis, merci à tous d'avoir regardé ce tuto les amis, j'espère vraiment qu'il va vous être utile et j'espère vraiment bien que eSport ne vont pas le patcher méga longtemps. Franchement c'est abusé les amis, j'ai beaucoup de chance quand même, j'ai eu Ricardo Carvalho tout simplement. Bon franchement vous pouvez vraiment avoir mieux les joueurs que vous avez besoin les amis, franchement n'hésitez pas à tryhard, faut juste attendre, faut attendre en fait. Par contre les amis, attention, faut vraiment pas que vous laissiez tenter, bon pas cet échange, mais simplement son cousin qui est juste à gauche. Faut pas que vous ayez la flemme ou que vous dites bon allez vas-y, je vais mettre les 3 là, je vais prendre ça les amis. Non parce que vraiment, même si je pense que vous avez peut-être un peu la flemme d'attendre, mais vraiment les amis, ça vaut le coup. Bon les amis, c'est vous des... Ciao.